Ok, 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 le petit focus. Let's go. Focus, focus, la caméra. Quand elle veut la cam. La cam, elle a du mal là. Attendez deux secondes. Hop, je vais l'aider un petit peu. Ok, ok, c'est là les gars. Alors, ah, j'ai oublié. C'est un live mystère. Ouais, c'est un live mystère. J'ai oublié la petite casquette, les gars. Ça devient une petite habitude, une petite tradition sur Twitch d'avoir cette magnifique casquette Pac-Man parce que je suis trop un gamer, les gars. Donc voilà, bon, les gars, yo Patalo. Comment ils vont les Patalo? Comment allez-vous, les gars? Comment allez-vous? Comment ça va? Déjà, quand on arrive, je crois que c'est fait par Tambouille Studio. Donc, c'est derrière ma cam, vous voyez pas. Et Tambouille Studio, du coup, qui est, j'imagine, le studio de notre ami Doc Gero. Donc, voyons, l'arsenal laser, l'interface est à peu près la même, je crois, hein, que celle de base. Au niveau des contrôles. Donc ok, donc ça c'est pour jouer à la manette. Moi je veux pas jouer à la manette les gars. Espace et ça se joue avec les flèches. Très simple, magnifique. Ok, m'en dites plus les gars. Donc on quitte. Hop, et on va tout simplement aller sur play. Let's go, on va jouer. Donc on va faire le premier niveau. Je crois que c'est le premier niveau. Voyons voir. Il y a plein de nouvelles mécaniques qui étaient pas sur la démo les gars. Vous allez voir, c'est une dingue. Ok, petite histoire. Ok, ok, il y a un chat. Et le chat, il a pas de croquet. Ah, c'est embêtant, on a besoin d'argent. On a pas d'argent. Il nous faut de l'argent. Donc là on réfléchit et on voit quoi? On voit un immeuble. Wow, avec plein de thunes dans cette île. Et on voit un banquier riche. Et ce banquier là a pas besoin de l'argent. Alors que nous, pour nourrir le chat, on a besoin d'argent. Donc, pas content. Et c'est là que notre personnage, que l'on va appeler Robert, je sais pas pourquoi, il y a pas de nom, je crois. Donc on va l'appeler Robert, aller cambrioler tout cet immeuble pour amener de la thune, pour nourrir son chat. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. On va essayer de nourrir le chat. Parce que le chat, il faut pas le laisser mourir. Donc sauvons le chat. Comment on appelle le chat, les gars? Comment on appelle le chat? Dites-moi comment on l'appelle. En attendant, je vous montre un petit peu les principes de base. Donc on a un petit perso qui est juste ici, regardez, vous le voyez. Et dès qu'on bouge, il fait des pauses. Trop stylé déjà. Tu vois, grave kiffant. Alors les plantes et les chaises, les meubles, ça. Alors vous voyez, au-dessus de moi là, c'est quoi? C'est un diamant. Hop, je le prends. C'est la récompense du jeu. La récompense du niveau, c'est ce qu'il faut avoir. Ensuite, tu te déplaces et là, tu te tapes si tu vas contre un mur. Voilà. Et après, la porte pour sortir. Et là, niveau terminado, pipo, finito. Et là, nouvelle difficulté. Regardez les gars, on a devant nous, on avait un truc rouge. Où est-il passé? Et bien, il est toujours là. Parce qu'on a 5 secondes ou 4 secondes, je sais plus, pour repérer les lasers avant que ça reparte. Par exemple, là, je les ai repérés. Donc hop, je me déplace, je me suis pris le mur. Hop, j'ai fini le niveau. Voilà. Et c'est drôle quand vous utilisez vos points de chaîne pour me faire des gages gameplay. Ou des gages gameplay où je vais devoir y jouer les yeux fermés, par exemple. Ça a été très drôle. Il y en avait aussi un inversé, jouer avec la main gauche. Ben, il y avait des trucs. Après, vous êtes très créatifs, les gars. Je ne pas du tout de vos compétences à me faire réfléchir, à me casser la tête sur ça. Autre chose, le son du jeu, parce que le son du jeu est très stylé, les gars. Vous allez voir que la musique in-game est trop cool. Je pense que c'est un plaisir. Regarde cette musique. Ok, donc là, on voit un petit peu les lasers, ils sont... Ok, c'est good pour moi. Donc, hop. Hop. Et voilà, tout simplement, on prend les escaliers et l'aventure continue, les gars. Ok, allez, on fait la suite. Allez, allez, non mais c'est good, c'est facile. 1 sur 3, donc j'ai repéré. Vas-y, on y va au talent, les gars. C'est les niveaux que j'ai, de toute façon, déjà fait. Donc je m'en rappelle un petit peu. Donc là, on va devoir faire tous les niveaux de la démo. Plus, prochain niveau, vous allez voir qu'il y a des champignons qui retournent la gravité. Il y a des trucs qui téléportent. J'ai vu des trucs plutôt sympathiques. De spi et franchement c'est très simple. Donc on va là les gars. Hop les gars, let's go, on a débloqué le prochain niveau. Donc on a un niveau bonus ici, mais ça les niveaux bonus ils sont super durs. Vas-y, je le fais parce que c'est le premier, mais j'en ferai pas d'autres hein, les gars. Vous allez voir, ils sont trop compliqués. Je sens que je vais mourir les gars, voilà, voilà, je l'avais pré-shot les gars, je l'avais pré-shot. Donc ici, on va prendre la mécanique qui s'appelle la mécanique des L. Pourquoi? Parce que on dirait des L. Donc je vais repérer les L, en plus c'est symétrique. Nickel, symétrie axiale, retour en CM. Donc on va essayer de se faire les L. Hop. Hop, hop, ok, ok, donc, alors attendez, c'est là le problème, ça veut dire que là, comme ça, ok, let's go, ces niveaux ils sont, mais bon, je sais même pas pourquoi je l'ai fait, mais je l'ai fait, allez, let's go, niveau suivant, petit jeu de réflexion un petit peu, ok, vas-y, je vais tenter, là j'y vais en fait au talent, donc je risque de mourir, quoi, parce que je n'ai pas beaucoup de talent, la preuve, oh, 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 je n'ai rien dit les gars, je me suis sous-estimé moi aussi. Ah, ça me semblait trop facile, fallait tourner, c'est ça? Ah non, même pas. Ok, donc là, regardez, on part sur la formation des C. Vous avez vu les L tout à l'heure, là c'est les C, pourquoi? Parce qu'on dirait des C du coup, pareil. Donc on a des C qui protègent, ça tombe bien, c'est presque symétrique, donc ça va être facile, regarde. Donc là, je sais que je suis dans le creux du C, là je monte, c'est qu'en dessous de moi il y a un C, donc qu'est-ce que je fais? Je passe à côté, je passe en dessous du C, je récupère la clé pour ouvrir la porte, c'est là où il y a le dernier C. Alors le dernier C, je savais qu'il était pareil que l'autre, donc ça veut dire qu'il faut passer en dessous. Et là, regardez, je suis dans le creux du C, et voilà. Donc là, les gars, on a une nouvelle méca, on a les gardiens. Les gardiens pour l'instant ils bougent pas, mais dès que je vais commencer, ils vont bouger, donc je vais devoir mémoriser les lasers. Plus c'est attention aux gardiens pour pas qu'ils me grillent. Regardez, explication, parce qu'une explication vaut mieux que 1000 images. Hop, voilà, regardez, je les ai évités. S'ils me crament avec la lumière, je suis dead et je recommence. Allez, hop.
Pas easy, let's go. On l'appelle Snail. Il va y avoir des tensions dans la villa là. Allez, donc Robert doit cambrioler l'immeuble pour acheter des croquettes. Let's go. Appelle le plante. Il faut savoir, Snail ou plante. Pour plante, plante c'est bien plante. Allez, donc Robert doit cambrioler tous ses immeubles pour récupérer tous les petits diamants comme celui qui a au centre. Pour pouvoir avoir de la thune pour acheter des croquettes pour son chat plante. Et non, c'est moi qui se donnais. Le jeu n'a pas donné de nom au personnage. Ok, donc laser repéré, ça va être good pour moi. Et voilà, et là, je sais qu'il faut passer par là. Magnifique, les gars, magnifique. Ça s'appelle le chacha, ouais, il va pas aimer, hein. Il va pas aimer, non. Je le connais aussi, il va pas aimer. Mais il a fini son truc d'allemand, pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Parce que j'ai eu tous les diams. Ouais, j'ai tous les diams, mais il va falloir que je refasse un niveau. Je vais faire le niveau 1 parce qu'il est plus simple, parce qu'il me faut d'autres diamants pour débloquer le niveau suivant. Donc là, easy, je fais ce niveau parce que les diamants sont faciles sur ce niveau, donc c'est good. Niveau suivant. Voilà, hop, facile, facile, facile au pipeau. Les gars, là, il me... Donc là, on fait le niveau 5, let's go. Ok, donc là, j'ai repéré tout ça. Maintenant, let's go, c'est parti, hop. Alors, ouais, je me penche toujours les murs, les gars, parce que je misclique. Let's go, je speedrun les gars, c'est trop, je suis trop puissant les gars. Ok, j'ai fait le malin, là, ça va être un peu plus compliqué. Ok, allez, allez, vas-y, je me le tente, les gars. Ouais, allez, les gars. Putain, je me suis fait avoir au même endroit, ok, ok. Ah, mince, 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 je voulais le speedrun. Ok, vous êtes prêts pour le speedrun, les gars? Alors, vous êtes prêts, les gars, le speedrun. Let's go, speedrun. 3, 2, 1, speedrun. Le niveau 5 de l'art Saint-Lazare qui est enfin sorti et que Doc Gero, le créateur, nous a permis de jouer. Je me suis fait avoir. Ok, là pour de vrai, les gars. Là, oh, je me suis fait avoir. Attends, il faut que je me suicide. Voilà, là je vais essayer. Prêt? Non, je me suis pris le mur. Hop. 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 Voilà, voilà, ça c'est bon ça. MDR, let's go, mais on rigole ici, on rigole, on est là pour rigoler les gars. Les gars, mais c'est ici, hein, les pantalons, on est là pour rigoler. Donc ça c'est nickel. Ok, ce niveau est un peu plus compliqué. Donc là, j'appelle ça les Tetris. Pourquoi? Parce que Tetris, on dirait une pièce de Tetris parce que elle est en L, mais c'est pas un L parce que c'est des petits L. Donc on a un Tetris en dessous de nous et après ça va le faire. Un Tetris à la bas à gauche. Ok, allez, hop. Hop. Je vais follow le gardien parce que je sais pas où il faut aller. Ok, et là il va falloir faire gaffe. Pourquoi? Parce qu'il y a un Tetris. Regardez, hop, voilà, et Tetris. Et voilà, la maîtrise, les gars. Les patalos. Comment ça? Je suis fatigué, même moi je sais plus écrire sans S. T'inquiète, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Donc voilà, donc un patalo au pluriel sans S et des patalos avec. Regardez les gars, deuxième vidéo, à chaque niveau on va avoir droit à une petite vidéo qui va être un petit truc qui va nous mettre un petit peu dans le lore du jeu, regardez. Ok, donc là, Robert a réussi à voler de l'argent. Il arrive à la porte de la sortie. La fuite. Ok. Sauf que là, il y a une sorte d'usine à énergie avec le laser. Bizarre, bizarre. Donc là, j'ai eu un gage, les gars, ça va être de jouer ce niveau, les yeux fermés, donc ça va être compliqué. Donc pour l'instant, je vais mémoriser. Donc droite, bas, droite, droite. Oh le bordel! On peut y arriver, je peux y arriver. Ok, donc je vais devoir faire droite, bas, droite, droite, haut, droite, droite, droite. Attends. Droite, bas, droite, droite, haut, droite, 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 haut, droite, droite, bas, bas, droite, droite, haut, droite. Ok, je ferme les yeux, c'est parti. Moi je vais déco. Ah, déjà? Ouais, allez, allez, j'y arrive. Vas-y, mec, moi je vais déco, je pense. Salut, salam alaikum. T'inquiète, y'a pas de soucis, merci beaucoup d'être passé. T'inquiète. Et voilà, les yeux fermés. Alors, Doc Gero, t'en penses quoi de ça? Hein? Voilà, les yeux fermés. La classe ou pas la classe, les gars? Viens voir sur Twitch, t'as au patalou à 18h. Et lâchez votre follow.